trop à Karine Tsouka, la secrétaire, vraiment la précieuse. Ah. Olobi, chérie. Ok. Oh. Mon yangote. Oh, yo bete ndeni, yo pe sous ma copine. N'a pas de bise, yo bete ndeni. Te, na episa ki yo bongote. Na ba keza www.toleka.net. Na be point com, te ma copa. Oh, menga ye yo na za koutou na otala. Parce que na tala souba site msou. Te na boya viris, papa, mama. Na tkaka na toleka.net. Ya mwana ka ande site a di boso pe site a souke souk si mansola ba site. Ah, cheke hormone nyonso. Biloko nyonso eza na kati, biloko nyonso yanga. Ndenge mona nga kala, hormone nga nyonso kuna na kati ezali. Soko tindi image na tongo, na poko ba publier poto eyebi yo. Tala kaka. Se poto eyebi yo seke d'accord. Hein? Taka to leke sa biso ba Naomi ba elle na obwe, mikile ba biso. Non, to komi poto te mebe si ba yebi nga na poto. Pokala te pe na Hollanda. Eh, mikile. Benga kama kopo, benga ate chéri, hein? Ah, pona benga kyo yango bengi, me benga kati, babi, etwana si se ma tolek. Benga ka tolek, karale, kakele, sa anga bien. Ok, je t'embrasse. Salut précieux de ma part, non? Ok, ciao. Bana Fritzide, bana Durban, Cape Town, partout, monde entier. Tous en a site, ne biso yasika. Toleka.net. Bande konanga, boutika di luka luka, to luki trop na vie. Ika mba site o, te okuta na site ka moko. Toleka.net, mama. Nyonso eza na kati. Yana pa ma connexion ti. Nyonso o towa, nyonso eza na kati. Mama Noela, landango, Pascal Mboma, bo landango, yonga lande eza number one, bako sabiso te. Babi mwana mutia ba mbongo ebele. Talaka a toleka, ba news a vre. Nyonso lingo zwa, kano, 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 super kano. Banga na benga kae mndela Londres mwa mkena ba mbongo ni baze bele ne ba kokale ne ete ya pa do yake toleka. Alors bato mingi ba yeko yebanga na libanda na makambo etali etumba otozo bunda pona mboka. Mais nazali mosali na nzambe. J'ai un langage spirituel en ce qui concerne l'évangile. J'ai un langage politique en ce qui concerne la lutte que je suis en train de mener au sein de l'UPN, Union des Patriotes Novateurs. Maintenant, je suis pas plus combattant, mais je suis opposant politique en exil. Lui hier s'intégrer. Il n'a même pas 10 ans ici, mais il prêche en anglais et en zoulou. Mon fils dans la foi, Nayambi Saye Yesu. Nako kende kuna un mois na bina kote, il n'a rien à dire parce que je suis son père dans la foi. Toujours prêché, bah si nous allons Kolanda, tu as commentaire, mingite, bah tu Kolanda yango.
Merci beaucoup pour cette question. Omoni ba na nzambe mingi ba comprenaka ce que c'est la politique de pona ni mwana mosa na nzamba zo sala politique. La Bible déclare dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. La politique, c'est l'art de diriger, c'est l'art de gouverner. La politique a commencé au ciel. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. C'est une fonction politique. Jésus-Christ est le roi des rois. Être roi, c'est une fonction politique. Jésus-Christ est un politicien céleste. Donc, Jésus-Christ est politicien céleste. Non seulement il est politicien céleste, c'est un juriste céleste. On appelle Jésus-Christ le juste juge. Na gouvernement ya c'est mabelé, to kotia une auto bengi conseil législatif, pouvoir législatif. Jésus-Christ n'est pas seulement le juste juge, il est aussi l'éternel des armées. C'est toujours Jésus-Christ, dont le commandant suprême de l'armée céleste. C'est le ciel qui dirige le physique. Tout ce que nous voyons sur la terre, ezali na lola. Gouvernement céleste des Alaka. Alors, quand vous dites que un pasteur ne peut pas faire la politique, David c'est un prophète, David serviteur de Dieu, ici-bas, sur la terre, il fit qui? Roi. Token à Saoul, serviteur de Dieu, il fit roi. Token à moi, maman, na bisoto bengi Débora, elle fit juge. À l'époque de juge, il n'y avait pas de roi. C'est-à-dire, elle fit reine. Parce qu'il y a un moment donné, à l'époque de la Bible, en Israël, il n'y avait plus de roi, il y avait des juges. Juge, abandonné qu'on jouait rôle, il y a roi. Comme c'était une femme, c'était une reine. Total, les trois intendants, il y a Babylone, Meshach, Shadrach, Abednego, être intendant du roi, et à lui fonction politique. Bonjour, je m'appelle Mouchavoule Luis Munduku. Je suis évangéliste et berger de l'ensemble de Bethany House Assembly. Nabaki Kolanda, volume 1, il y a émission L'Église et les Antivaleurs. Nalingaki na loba quelque chose que Batou, Bazo comprendre vraiment dans nos bientés, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la politique. Moi, je crois que ce qui Batou. Quel que soit le temps, au bassin de Moussa Nzambe, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la politique? Beaucoup de choses seront rectifiées. Et beaucoup de choses, et que Zonga Nanzela, pour que tu ne comprennes Nini et Senge Nabisoto le bâton ou Totele Miliboso dans la caméra. Je vais vous dire une chose, nous chrétiens, nous sommes appelés à marcher sur les pas de Jésus-Christ. Et nous savons une chose, que notre maître n'a pas fait de la politique. Et nous l'avons déjà dit, Jésus-Christ n'a pas fait de la politique. Un chrétien, un serviteur de Dieu, n'est pas appelé à faire de la politique. Parce que nous devons construire sur les bases que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées. La question est de savoir, Jésus-Christ a-t-il fait la politique? C'est là où se trouvent toutes les choses. Parce que nous devons marcher sur ces bases-là que Jésus-Christ a laissées. Alors aujourd'hui, beaucoup d'hommes se disent hommes de Dieu, à la fois hommes de Dieu politiciens. Non, bien-aimés. L'homme de Dieu n'est pas censé faire la politique. Ne comparez pas le temps de David et ne parlez pas du temps de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui s'est fait avec David se sont accomplis en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il a refusé de faire la politique. Il est venu tracer des nouvelles voies qu'il avait reçues du Père, l'Éternel, le Dieu de gloire. Je crois bien, dans l'émission qui viendra, j'aurai à parler en long et en large sur cette émission. Jésus n'a pas fait la politique et l'homme de Dieu ne peut jamais faire la politique. Dieu des armées, c'est l'un des caractères de Dieu. Quand on parle de Dieu de l'Éternel des armées, ce n'est pas dit parce qu'on parle de l'Éternel des armées, il doit faire la politique. Non, c'est quelle politique? La politique céleste ou bien la politique de ce monde? C'est ça qu'il faut savoir. La politique céleste, ça c'est Dieu qui fait la politique céleste. Et Dieu n'a pas dit que cette politique céleste elle doit s'accomplir sur cette terre. Non, ça c'est une fausse, c'est un faux enseignement. Hein? Ça c'est de l'hérésie dans l'Église. Non, 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 non. L'Éternel des armées, parce qu'il a une armée céleste. Ça c'est clair. Il a des archanges avec lui. Mais non, pour dire que non, l'Éternel est là, l'Éternel des armées, et c'est l'armée céleste sur cette terre, on se donne les noms des généraux, on se donne les noms des capitaines, on se donne... Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Et si nous disons que l'Éternel des armées, nous aussi nous sommes combattants dans l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel n'a rien à voir avec l'armée de ce monde. Mais Jésus-Christ l'a dit à Pilate. Il a dit à Pilate. Quand Pilate a dit à Jésus-Christ,
ne sait pas que j'ai le droit de te libérer et de te condamner. Jésus-Christ a dit que au coca qui cause la terre autorité mon côté soba pensa que pas na papa nanga été l'icône nanga. Comprenez la chose et lisez encore la Bible, cela vous aidera. En fait que l'hérésie sort de l'église. Que Dieu vous bénisse. Moi je crois bien nous aurons le temps d'en parler à long et à large. Si vous voulez entrer en contact avec moi, vous appelez au 0027 78 18 091 18. Anytime vous pouvez appeler, vous serez en contact avec l'évangéliste Mouchavoulé.